Good morgen, allez, Yiden, et tu seras aujourd'hui le Lunishmat Avram, Mordechai, Ben Yitzhak, Yofani, David, Ben Fortuna, Mazal Fritna, et Dvorah, Ben Esther. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5e lettre éternelle. Nous étions à Seret Kluvot, Perektet, Mishnah, He. Katavla, Nederu, Shvua, Enli, Alaich, Eno, Yachola, Shbia. Aval, Mashbia, ou et Yorshea, Vetabaim, Birshuta. Nederu, Shvua, Enli, Alaich, Val, Yorshaich, Val, Abaim, Birshutich, Eno, Yachol, Le Hashbia, Lohi, Velo Yorshea, Velo et Abaim Birshuta. Aval, Yorshav Mashbin, Otav et Yorshea, et Abaim Birshuta. Neder Ujvoa, Enli, Velo le Yorshaï, Velo l'Abaim Birshuti, Alaïch, Val Yorshaïch, Val Abaim Birshutich, Enoyachol le Hashbia, Lohu, Velo Yorshav, Velo Abaim Birshuto, Lo Ota, Velo Yorshea, Velo Abaim Birshuta. Mishnah très simple. On s'intéresse dans les Mishnayot actuelles, aux différentes occasions qu'un mari a le droit de faire jouer à sa femme. On a évoqué dans la Mishnah précédente que, par exemple, si j'emploie ma femme pour gérer une certaine affaire, par exemple, moi je ne suis pas présent, je suis à l'étranger, mais je lui demande de gérer mes biens, quand je reviens, je suis en droit de le faire jouer. Il y a encore d'autres situations qu'on verra plus dans les Mishnayot plus loin, que une session très fréquente, même, lorsque la femme vient réclamer sa ktouba du mari ou des héritiers. Alors, on a la possibilité de la faire jurer qu'on ne lui a pas donné, qu'on ne lui a pas déjà donné un bien en gage. Soit, c'était fréquent à l'époque. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus inscrit dans des registres et tout ça, donc tout est beaucoup plus facile. Mais à l'époque, il y avait moins de gestion sur le plan national des biens et tout ça. Concrètement, je me suis engagé à donner à ma femme, en cas de divorce ou pire, de lui donner 200 000 shekels. Maintenant, il y a certaines situations où la femme, elle peut avoir peur. Elle va dire, ouais, mais comment je vais faire, je vais me retrouver tout seul. C'était fréquent, apparemment, qu'on pouvait être matpis des tsorot. Soit, en deux mots, je vais prendre des biens mobiliers, je vais lui dire, écoute, ne sois pas angoissé, tu vois, ma grosse Rolex, garde-la chez toi. Je pars, moi, à l'étranger. Tu gardes la Rolex, s'il y a le moins de problème, tu as l'argent déjà comptant. 80 000, elle coûte déjà. Donc tu prends, tu vas la revendre, tu auras déjà une belle somme devant toi. C'était fréquent de laisser d'accord, un mari. Imaginez un mari qui avait plusieurs enfants avec plusieurs femmes. C'était à coup sûr, la déchirade ensuite au Beddin pour pouvoir récupérer l'argent, ça ne se passait pas facilement, d'accord. Et donc du coup, j'ai eu des échos de familles où il y a, là, les mains pas de remariage. Et déjà, du vivant du père, il y a déjà des disputes entre les enfants sur ce qui va hériter le père. Vous imaginez là, oh, prochain, mes parents, ils sont pauvres, et ils ne laissent pas d'argent. Non, il faut faire attention, on essaie toujours à bien écrire clairement qu'est-ce qu'on laisse à quoi, ou Chazé Shalom, sinon qu'il n'y ait pas de... Malheureusement, plus il y a du partage, plus ça fait des embrouilles. Allez là. En tout cas, je reviens maintenant sur le but de nos chers. Donc c'était fréquent qu'on laissait, pour la Ktouva, on lui laissait une possibilité des biens mobiliers. Du coup, une femme, elle vient réclamer la ktouba. Hé, hey, moi, regardez-moi, votre père, là, enfin, c'était son ex-mari, le pauvre, l'Ahmou, il est parti, il s'est engagé à me laisser 200 000, je veux réclamer les 200 000. Ils sont en train de dire, attends, on va te les payer. Mais d'abord, jure-nous qu'il ne t'a pas laissé des biens mobiliers en gage quelque part, qu'on n'est pas au courant. On a le droit de la faire jurer, d'accord? On verra encore, on aura l'occasion de voir tout ça, mais dans la Mishnah, déjà, Zaïd, on en reparlera beaucoup plus. Là, pour le moment, on va s'intéresser à un mari qui se soucie de décharger sa femme de tout serment entre eux. En fait, depuis le moment où il va se marier, il va écrire dans la Ktouba que je m'engage, il peut le dire à l'oral, mais il peut aussi l'écrire dans la Ktouba, que je m'engage que tu pourras réclamer tes dus sans que je te fasse jurer. Il se décharge de tout droit de la faire jurer dans toute situation, en fait, en deux mots. Et en fait, la Mishnah va être séparée en trois situations. D'abord, moi, je décharge ma femme de jurer en toute situation. Moi, je décharge ma femme de jurer elle, ni tous ceux qui viendront réclamer la Ktouba en son nom. Parce que si, Chas v'Shalom, il y a un divorce, qu'elle n'a pas récupéré sa Ktouba, après il y a un décès, qu'elle n'est plus là pour récupérer. Non, ses héritiers sont en train de réclamer. Je peux aussi décharger tous ceux qui viendront de son pouvoir. Et même mieux que ça, je peux aussi décharger tous ceux qui viendront de son pouvoir pour réclamer de moi ou de tous mes héritiers.
D'accord? Ça va être les trois cas de la Mishnah, et qu'on va voir un après l'autre. Et en deux mots, la Mishnah va me dire, tu sais, si tu décharges ta femme de jurer elle et tous ses héritiers, de jurer même face à même tes héritiers aussi à toi, eh bien, dès lors, la femme viendra réclamer sa ktouba et on ne pourra pas lui dire peut-être que le mari t'a laissé une Rolex. D'accord? En deux mots, voilà, on a fait toute la Mishnah, on va faire tout ça dans les mots, bien évidemment. Katavla, il a écrit à sa femme, Neder Ushvoa, Eni Alaïr, je n'aurai envers toi ni vœu ni serment, tu n'auras jamais besoin de jurer ou de prononcer des Nedarim, mais c'est ton peu pourquoi Nedarim, ici, tout ce que tu me en tout cas, jamais tu pourras ni jurer ni rien envers moi, jamais tu auras besoin de jurer pour prouver que tu as raison. Eno Yachol Lashbia, et bien il a renoncé à son droit de la faire jurer. Et ça implique que même si elle sera épicière, ou elle gérera ses biens, comme dans la mission précédente, il ne pourra plus la faire jurer. C'est trop tard, il a renoncé à son droit. Mais par contre, Aval Mashbia ou et Yorshea vet Abaim Birshuta. Par contre, il pourra faire jurer soit ses héritiers à elle, ou même ceux qui viendront Birshuta, ceux qui viendront en son nom. C'est-à-dire, si elle n'avait pas d'enfant par un autre mari, peu importe, elle n'a pas d'héritier, mais elle a un frère qui doit lui hériter. Imagine en fait, situation comme ça, Yaakov, il est marié à Rachel. Et ensuite, donc Yaakov, il a écrit à Rachel que, en cas de divorce, elle n'aura pas besoin de jurer. Yaakov divorce de Rachel. 3 mois après, Rachel n'a toujours pas récupéré sa ktouba. Rachel décède. Vient Lavan, le frère de Rachel, c'est lui qui doit hériter de sa sœur. Il vient, il dit, écoute, Jacob, il a écrit ici que tu me dois 200 000, paye-les-moi. Jacob, il lui dit, peut-être tu te les payes. Mais jure-moi, hein, que Rachel, elle n'avait pas, c'est-à-dire que tu n'es pas au courant que Rachel, elle a déjà reçu l'argent. Peut-être qu'elle t'a raconté qu'elle a reçu l'argent, peut-être qu'elle t'a trouvé quand tu es parti fouiner dans ses restes, dans ses papiers, que tu as trouvé un reçu comme quoi je lui ai déjà payé la ktouba, eh bien il pourra le faire jurer. Et lui devra jurer, Lavan, il devra jurer, je jure que je n'ai rien trouvé et que Rachel m'a rien dit, donc je réclame mon dû. D'accord? Maintenant, nouvelle situation, c'est que le mari, il va non seulement se défaire du droit de la faire jurer à elle, mais même aux ses héritiers. Neder où je vois Eni alaïch ve al yorshaïch ve al abaim birshutir. Je n'aurai de neder ou de serment, ni sur toi, alaïch, ni al yorshaïch, ou ceux qui t'hériteront, ve al abaim birshutir, ou bien tous ceux qui viendront en ton nom. D'accord? Et bien dans ce cas-là, Eno yachol l'ashbia, lohi, ve lo yorshea, ve lo et abaim birshuta. Il ne pourra faire jurer ni elle, ni ses héritiers, et ni ceux qui viendront en son nom. Par contre, Aval Yorshav Majminota Bet Yorshav et Abaim Yorshuta, par contre, les héritiers du mari pourront la faire jurer. C'est-à-dire, Yaakov, il s'est déchargé de faire jurer Rachel. Il a renoncé à son droit de faire jurer Rachel, donc Rachel, elle viendra avec elle. Tu vois, dit, tu me dois 200 000, ne commence pas à me dire que peut-être que ne viens pas à prétendre que je t'ai laissé, que tu m'as laissé une fois une Rolex à 60 000. D'accord? Tu me dois 200 000, c'est écrit 200 000, tu me payes 200 000. Et il n'a pas le droit de faire jurer. Par contre, si Yaakov décède, et maintenant Rachel, elle vient récupérer la ktouba du fils de Yaakov, Réhouven. Réhouven peut lui dire, bon, moi je veux bien, il a écrit que je te dois, mais je veux d'abord que tu jures que papa, il ne t'a pas laissé de l'argent, et elle devra jurer, parce qu'il s'est déchargé que lui ne fera pas jurer Rachel ou ceux qui viennent en son nom, mais pas que ses héritiers n'auront pas le droit de faire jurer. D'accord? Par contre, si Yaakov, quand il s'est marié avec Rachel, il lui a écrit Neder, Ushvoa, Enli, Velo le Yorshaï, Velo la Baim Birshuti, je n'aurai ni de vœux, ni de serments, ni pour moi, ni pour mes héritiers, ni pour tout celui qui viendra en mon nom, ou encore Veal Yorshaïch, Alaïch, Veal Yorshaïch, Vala Baim Birshuti. Et on ne pourra rien prétendre, ni contre toi, ni contre tes héritiers, ni contre tous ceux qui sont dans ton nom. Et bien dans ce cas-là, Eno Yachol le Hashbia, il ne pourra la faire jurer. Lohu, Velo Yorshav, Velo Abaim Birshuto, ni lui, ni ses héritiers, ni ceux qui viennent dans son nom, à lui. Lohota, Velo Yorshav, Velo Abaim Birshuta, ni elle-même, ni ses héritiers à elle, et ni tout celui qui viendra en son nom. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha.